Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on va regarder, on va recevoir un petit message pour ce week-end. Pour ce week-end, donc nous sommes le 8, donc le 9 et 10 octobre. Voilà. Eh bien, tout simplement, on va voir de quoi on nous parle pour ce week-end. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Merci énormément pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Ça me touche. Merci, vous êtes juste super. Vraiment. Ouais, c'est formidable. Vous êtes formidables, tous, autant que vous êtes. Voilà. C'est vraiment, c'est toujours un grand plaisir de vous accompagner. Si ça peut vous faire, voilà, vous apporter un petit peu de lumière, un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de confiance sur vos projets, dans votre vie en général. On a tous besoin de soutien, hein, de nous aider à comprendre effectivement ce que l'on vit, ce qui se passe, etc. Donc, eh bien, gratitude à tous. On est dans une belle période de changement, de transformation, donc c'est vraiment quelque chose de super quand on, comment dirais-je, quand on accueille, hein, il est important d'accueillir. Il peut y avoir des moments de fatigue, eh bien, tout simplement, reposez-vous si vous êtes fatigué, rien ne vous oblige à aller au-delà de vos forces, d'accord? Donc voilà, ça c'était un petit peu ce petit message. Vraiment, accueillez toutes les transformations, hein, qui arrivent dans votre vie. Prenez-le comme quelque chose de juste, hein, même si c'est parfois des transformations qui peuvent vous faire du mal, parce qu'effectivement, on quitte une situation, mais on ne sait jamais vers quoi on va. Sachez que l'univers, hein, vous amène toujours là où, où vous devez être. Il suffit parfois de lâcher le mental pour ne pas se retrouver dans une forme d'étau, d'accord? Dans une forme de rouleau compresseur pour vous, hein. Donc on va se libérer, c'est important. Amenez-vous de la joie, vraiment. Faites-vous plaisir. Hein, c'est encore les mots que l'on entend ici. Ici, cet été, vous avez pu vivre des situations plutôt conflictuelles, hein, des désaccords. Donc, c'est encore des énergies qui peuvent réapparaître aujourd'hui, hein, qui peuvent être encore dans vos énergies aujourd'hui, hein, parce qu'on voit bien que cet été, ça a été plutôt conflictuel. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Donc ça, c'est général, hein, pour tout le monde, pour tous les signes. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, ben, tout simplement, vous laissez partir. Donc ici, effectivement, hein, on voit que cet été, ça a pu être compliqué. On nous dit aussi que ça peut être compliqué concernant comment dirais-je, des convictions. Des convictions que vous ayez pu avoir cet été, pour tout simplement des convictions concernant tout simplement votre bien-être, eh bien, ça a pu porter des conflits autour de certaines personnes. Ici, on peut voir aussi des conflits dans la famille, hein, dans le foyer, au niveau des enfants. On peut voir aussi un conflit avec une personne plus jeune, une personne qui peut vous sembler hypocrite aussi. D'accord? Ouais, on peut voir des tensions, hein, concernant cela. On peut parler aussi d'une guérison, hein, concernant une personne plus jeune dans la famille. Une transformation pour elle. Mais aussi, on peut voir qu'il y a pu avoir de l'hypocrisie, hein, au niveau du foyer. Bon. Alors, on va se recentrer. Donc ça, on me dit que c'est par le passé. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que va-t-il se passer pour ce week-end du 9 et 10
Octobre. Voilà, les énergies nous ramènent encore toujours un petit peu vers le passé, hein, puisqu'il faut arriver à dépasser cela justement. Vous voyez, hop, on m'a reconduit vers une forme de passé, hein, puisqu'on est revenu sur l'été, donc les 3 mois en arrière. Hein. Ok. Allez, maintenant, dans l'instant présent, là, pour ce week-end, que se passe-t-il pour ce week-end? Pour les personnes qui regardent la chaîne de l'oracle de la Providence, que se passe-t-il ce week-end? Allez, c'est parti. Pour ce week-end, eh bien, effectivement, hein, on voit qu'il y a un renouveau. En tout cas, il y a un changement, effectivement, qui vous apporte avec l'été. Donc, on voit que ça chemine. Hein. Ici, nous avions le printemps, d'accord? Le printemps, hein, c'était compliqué de repartir sur quelque chose. Ici, on nous parle avec l'été, c'est plutôt des énergies tranquilles, hein, des belles énergies plutôt lumineuses, etc. Et on voit ici, donc pour ce week-end, eh bien, on peut voir des compromis, des échanges, des rencontres. Avec certaines personnes. Donc ici, eh bien, c'est un beau petit mouvement quand même, puisque finalement, ça semble plutôt paisible. Donc on va regarder tout simplement la continuité de ce week-end. Allez, ce week-end. On nous parle de cadeaux. Alors, ça peut être aussi dans la famille, d'accord? Donc, des énergies plutôt positives avec des membres de votre famille, d'accord? Donc, on voit peut-être que ça repart plutôt au calme. Il y a des festivités, hein, on peut voir des festivités, voilà, on peut se retrouver en famille justement pour un apaisement. Ici, on me parle aussi de renouveau, hein, de renouveau. De sagesse, donc on vous dit d'être vraiment dans une forme de tranquillité, hein, et c'est un vrai cadeau pour vous, pour ce week-end. On peut recevoir des présents aussi, hein. Bon, plutôt pas mal. Ouais, on voit l'harmonie, hein, l'harmonie. Voilà, comment je pourrais dire, voilà, une route s'ouvre, un nouveau chemin se présente à vous pour ce week-end, un chemin plutôt réussi. Ici, on voit que vous retrouvez une forme de tranquillité aussi au niveau du financier. On voit aussi que dans différentes créativités, ici, vous pouvez être dans une situation où ben, ça peut être, voilà, vous vous retrouvez dans des formes de créativité, hein, et puis c'est plutôt positif, hein, puisque vous êtes sur le bon chemin. Allez, on continue pour ce week-end. Alors ici, on voit encore un petit peu de lenteur, hein, concernant effectivement des liens d'amitié. Voilà. On peut voir aussi qu'une personne arrive lentement. Alors, on peut ici, on nous parlait de rencontre, etc. On peut voir une rencontre avec une personne qui est plutôt fidèle. Hein. On voit un nouveau départ, plutôt lent quand même, au niveau de peut-être d'un couple ou d'une voilà, d'une relation sentimentale. D'accord. Voilà, on vous dit de prendre le temps, hein, si c'est le cas, s'il y a des rencontres pour le week-end, etc. On vous dit de prendre le temps de bien découvrir la personne. Alors ici, pour une femme, on voit... On peut nous parler ici aussi de décision de séparation, hein, pour ce week-end.
Voilà, parce que les énergies bougent pas mal. Donc ici, on peut me parler quand même de certains couples qui vont décider justement de couper les liens. Voilà, c'est un week-end, il me semble qu'il sera assez tranchant, tout simplement parce que les énergies bougent et comme je vous ai expliqué dans différentes vidéos, c'est plutôt positif. Oui, ici, alors, donc on nous parlait quand même d'une forme effectivement de, voilà, hein, une personne qui va, d'une forme de séparation, d'une forme de transformation pour une personne. Qui aurait pu mettre la lumière hein, sur des situations en fait, où son énergie tout simplement disparaît, enfin s'évapore quoi, hein, on perd de l'énergie en fait. Donc d'où cette prise de conscience pour aller justement vers cette réussite. Ici on nous parle bien de la consultante hein, qui aurait pu être dans des formes effectivement de tristesse. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une forme de nouveau chemin hein, pour certaines personnes. Oui, on nous parle de nouveau chemin. Alors, on va voir justement où ce chemin vous mène pour ce week-end. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, oui, il y a le changement. Hein. Transformation. Alors, la transformation vers quoi? Vers quoi? Vers quoi? Vers le changement. D'accord, le renouveau. C'est protégé. Changement, renouveau, voilà, il y a des séparations, on coupe certains liens, voilà, on laisse le passé derrière, on redécouvre de nouvelles amitiés. Voilà, ça peut être intéressant justement de nouveaux contacts avec des personnes et on prend le temps, hein, voilà, tout simplement, on prend le temps, voilà, on s'écoute bien. Alors, mais en tout cas, allez-y, hein, ouais. On peut voir, il y a pu avoir des problèmes au niveau de la santé, d'accord? Des formes de stress, d'inquiétude, etc. On voit qu'il y a la paix là-dessus. La paix revient sur une forme de santé. Week-end du 9 et 10 octobre. Bon, allez, je vais faire comme ça. Ok. Waouh, super, c'est ce que finalement qui est très très bien. Ici nous avons donc effectivement la séparation, on va passer à autre chose. Hein. Dans certaines situations, ce week-end vous décidez finalement de passer à autre chose, de tourner la page. Hein. On avait vu cette femme qui décide de couper, d'aller sur une autre direction. Elle va tout simplement vers son bonheur, il ou elle. Hein. C'est féminin, masculin, les personnes qui regardent la vidéo. Cette personne décide de couper des liens qui ne lui correspondent pas pour aller vers le bonheur et pour aller tout simplement vers le bonheur qui est l'amour. Hein? D'accord? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ce week-end. Donc, il y a certaines personnes qui vont décider de stopper les situations pour justement, eh bien, aller vers ce bonheur. Donc, il peut y avoir certaines rencontres, effectivement. Et donc, on vous dit, effectivement, d'aller vers les autres, d'aller rencontrer d'autres personnes pour pouvoir, eh bien, sortir des formes d'inquiétude, de doute, de perte de valeur hein, que vous auriez pu avoir. Voilà, hein, vous allez sortir, effectivement, des doutes, voir vraiment la valeur des personnes, en fait, hein, ici. Hein. Donc, on nous parle d'une personne plus jeune et une personne plus âgée. Peut-être qu'on va avoir des choix à faire, justement, on se pose des questions. Alors, eh bien, pour éviter de se poser des questions, eh bien, il faut tout simplement rencontrer les gens, parler avec eux, voir réellement leur vérité aussi, hein, leur valeur, pour justement pouvoir faire un choix. Hein. Ça, c'est quand même relativement important. Donc,
sortez, osez, hein. Essayez de retrouver vraiment cette force intérieure et aller découvrir eh bien, les personnes hein, au niveau sentimental. Chacun a le droit au bonheur et donc eh bien, pour accéder à ce bonheur, il faut aller le chercher. Hein. Donc là, effectivement, on se pose des questions. Hein. On se pose des questions sur un homme ou une femme. Donc là, ici, on va parler aux femmes. Donc, les femmes se posent des questions concernant un homme ici plus jeune et un autre plus âgé. Donc, il y a deux personnes, on se pose des questions. On va savoir ce week-end. C'est ce que les cartes me disent. Pour les hommes, eh bien, ici, vous mettez les femmes. Hein, mais bon, voilà, vous comprenez bien. Donc, puisque c'est une guidance générale. On voit bien un nouveau départ, hein, avec force et courage, hein. On vous demande d'avoir la force justement d'aller vers des nouvelles possibilités. Hein. D'accord, vous allez vers la réussite ici. Hein. On peut nous parler aussi de, voilà, de force d'énergie vitale, etc. Hein. Il y a un déplacement ici. Hein. Il y a un déplacement vers votre réussite. Hein. Vous sortez effectivement de... En fait, voilà, ce week-end, donc allez-y. Ouvrez-vous, c'est le week-end qui est pas mal pour ça, puisque là, vous pouvez sortir effectivement de relations plutôt chaotiques, plutôt stériles, d'accord? On voit bien, il y a beaucoup de stress au niveau de votre foyer, hein? C'est le désert, vous êtes pas bien, vous êtes malade, vous semblez perdu, hein? On peut avoir justement ici, eh bien, ça vient nous confirmer justement que cet état-là, ou bien vous n'êtes pas bien du tout, hein, plutôt dans des énergies, ben c'est un peu le vide, hein, c'est pas les énergies qu'on aime vraiment. Hein. Donc ici, effectivement, il y a des rencontres, hein, il y a des possibilités de rencontres imprévues, et c'est la réussite. Hein, c'est la réussite pour vous. Hein. D'accord? Donc surtout, allez-y, sortez. Hein. Sortez. Faites de nouvelles rencontres. Ouais, il y a plein de nouveaux projets et stabilité. Bon, eh ben c'est pas mal, on vient nous confirmer. Hein, hein, faites-vous beau, faites-vous belle, voilà. Hein, allez, sortez de vos tanières. Oui, avec l'oracle de la Providence, on vient me confirmer ça. Hein, on vient me confirmer ça. Bougez, sortez, vous allez avoir de belles rencontres, de belles propositions, de belles possibilités. D'accord? Ici, si vous voulez, on voit le soleil, donc c'est plutôt de la réussite, mais comment dirais-je, équilibrée. D'accord? En général, là, ce sont des beaux partages. Alors, pour ce week-end, 9 et 10, octobre. Vous voyez, on nous dit effectivement de sortir de la maison, hein. D'accord? Sortir de la maison ici, hein. Donc vraiment bouger, aller, je sais pas, au cinéma, au théâtre, etc. Ne restez pas dans, voilà, ne restez pas dans un enfermement, en fait, hein. C'est ce qu'on veut vous dire, tout simplement. Ouais. On vous dit effectivement de sortir de ça, hein, l'angoisse, la maladie, etc. Voilà, il faut sortir de ça, hein, le stress et tout. Non, non. Parce que ça, le problème, c'est que quand on est dans ces états-là, eh bien, tout simplement, on va créer des pathologies sur soi. Hein. Ouais, soyez actifs à la découverte d'autres choses. Hein, vraiment, sortez. Hein. Ouvrez-vous un petit peu, allez découvrir le monde pour certaines personnes. Liberté, le temps et l'intuition. D'accord? Donc, effectivement, écoutez-vous, écoutez là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire, etc. Allez-y. Vous avez la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire ce week-end.
Allez. Là, j'en ai trop. Bon, je vais les prendre quand même, allez. Allez, ce sera tout avec l'oracle de la Providence. Donc, on voit effectivement de la créativité, hein, donc l'élévation, etc. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ici, avec la force et l'argent, si vous voulez, ici, on vous dit, eh bien, tout simplement de vous faire plaisir. De vous faire plaisir. D'accord? Et regardez. Oui, alors, attendez. Oui. Parce que ça, c'était là aussi. De vous faire plaisir. En fait, voilà. Hein, de vous faire plaisir. Pourquoi? Vraiment, c'est important. De vous faire plaisir. Parce que comment dirais-je, depuis ce printemps, hein, on revient un petit peu là-dessus, pour vous dire qu'effectivement, là, il faut vous ouvrir, il faut ressortir, etc. Il faut aller vers les autres. Parce que depuis le printemps, vous avez pu vivre des conflits, c'est-à-dire des énergies qui vous ont déstabilisé. On a pu vivre de la trahison, voilà, des situations compliquées, hein, on peut même dire de l'abus au niveau de l'argent, hein, voilà. Mais vous avez la force là-dessus, hein. Donc on peut dire qu'effectivement vous avez pu vous sentir trahi au printemps, etc. Parce que vous avez tout simplement rencontré les mauvaises personnes. Voilà ce que j'entends, hein. Mais ici on vous parle de paix. De paix et de tranquillité. Et on voit les invitations, la gratitude, donc des invitations équilibrées. Et regardez avec le soleil dessus. Hein? Donc, pour certaines personnes, donc on vous dit toujours, bien sûr, et bien sûr, d'être vigilant, hein, sur les personnes que vous rencontrez. Ici, moi, c'est une guidance parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment d'être seuls. Hein, sentir seul, isolé, qui en ont marre, effectivement, de cette solitude. Donc, on vous parle bien, effectivement, de vous ouvrir. N'hésitez pas à vous ouvrir, parce que si vous ne vous ouvrez pas, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. D'accord. Mais il y a ouverture et ouverture. C'est-à-dire tout simplement que vous rencontrez la personne, eh bien, vous prenez quand même un petit peu de recul, vous prenez le temps de découvrir la personne. Pour certaines personnes, souvent, on rencontre quelqu'un, voilà, cette personne semble nous plaire, etc. Donc, on va foncer dans le truc et boum, on va se prendre un mur. Hein. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu cette situation-là. Je crois qu'on l'a tous vécu. Donc, on croit que c'est la bonne personne, etc. Et puis, finalement, boum, on s'aperçoit qu'on s'est encore trompé. L'objectif maintenant, c'est de ne plus se tromper, d'accord? Puisqu'il est temps de ne plus se tromper. Il est temps de se faire confiance et il est temps de mériter le meilleur. Quand je dis mériter le meilleur, c'est-à-dire que les relations soient équilibrées, hein, qu'elles soient justes. C'est-à-dire que vous donnez et vous recevez en même temps. Hein, et pour l'autre, c'est pareil, c'est un équilibre. Donc, d'où cette importance ici, parce qu'on me parle effectivement qu'il y a pu avoir encore depuis le printemps des trahisons, voilà, des personnes perfides, des personnes mal attentionnées, hein, qui ont pu effectivement venir encore vous perturber finalement dans votre vie, alors que vous avez envie tout simplement de force tranquille, c'est-à-dire d'être en paix avec vous-même dans votre vie et en équilibre tout simplement parce que vous avez droit au bonheur comme tout le monde. Ici, on nous parle quand même maintenant d'invitation, de gratitude, d'union, de correspondance, etc., de rencontre, et il y a le soleil dessus. Donc pour moi, c'est vraiment juste. Il suffit simplement, eh bien, de prendre le temps de se découvrir parce que ça, c'est quand même très important. D'accord ? Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si ça vous parle. Je vais essayer de vous accompagner un petit peu plus loin comme ça, parce que je trouve qu'on a tous besoin d'être aidés, à comprendre. Parfois, c'est pas toujours évident de se dire, ben oui, on s'est trompé, on s'est encore trompé, mais
L'erreur est humaine et tant qu'on n'a pas pris conscience justement de ben, pourquoi on se trompe, eh bien on se trompe toujours. Mais à force de prendre des gamelles, eh ben, on comprend pourquoi on se trompe et du coup on essaye de plus se tromper. Tout en sachant qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance et de bien écouter votre cœur, voilà. Vos ressentis. Et ne pas foncer tête baissée. Si une relation doit exister, elle existera. D'accord? Donc il n'est pas urgent de tomber dans un panneau, c'est-à-dire, voilà, il faut prendre un petit peu de recul, partager les moments, voir si cette personne, elle est vraiment, je dirais, bonne pour vous, et si ce n'est pas que de l'artifice ou des formes d'illusion. D'accord? D'où le fait de prendre le temps pour ça, pour rencontrer les personnes. Ça n'engage rien, mais ça laisse le temps de rencontrer. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, hein, on est d'accord. Bon. Allez. On va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut bien nous confirmer pour ce week-end sentimental? Bon, bah, ça explique un petit peu ce que j'étais en train de vous raconter. Ici, avec le cosmos, chaman et illusion. D'accord? Donc ici, on voit que vous avez travaillé sur vous, donc c'est très bien que vous travaillez encore sur vous. Hein, d'accord? Avec le cosmos, ici, eh bien, vous avez pris conscience ou vous prenez conscience. En tout cas, peut-être que cette vidéo aussi vous permet de prendre conscience, peut-être, d'un comportement à adopter pour ce week-end. Voilà, ici avec la chamane, donc vous avez tous les outils en main, d'accord? Vous avez votre propre puissance, etc. Mais on vous dit de sortir des illusions, d'accord? Donc ici, moi, ce qu'on me dit, c'est de reprendre complètement votre pouvoir et d'avoir la vision longue, la vision de voir au-delà des illusions, d'accord? C'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure. Parce qu'ici, effectivement, on nous parle d'invitation, de guerrier. Et de résurgence. Donc ici, effectivement, il y a probablement des rencontres prévues ou à prévoir pour vous pour ce week-end. Alors, on va regarder justement, hein, parce que là, c'est bien, il y a bien il y a la chamane et le guerrier, donc on peut parler d'un couple quand même plutôt stable et plutôt équilibré de personnes qui ont quand même une forme de puissance, on pourrait dire un empereur et l'impératrice dans le tarot. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. C'est beau. Hop, c'est très beau. Ici, avec la clairaudience, la fée, hein, et la fertilité. Donc, effectivement, on vous dit de bien suivre vos intuitions. Clairaudience, eh bien, de vous écouter vers quoi vous voulez aller, vers qui vous souhaitez aller. Ici, avec la fée, ben, on vous dit de laisser tout simplement la magie opérer. Et on voit de la fertilité concernant ces rencontres. Ici, on me parle du masque. Alors, je vais aller découvrir ce qu'il y a derrière. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est le futur? Alors, ici, c'est le passé. Le passé, donc, on a une personne qui a porté un masque, qui vous a fait croire à l'amour. D'accord? Qui vous a fait croire qu'il y avait un amour existant. Et vous êtes resté, comment dirais-je, vous étiez dans une forme de rêve, de douce force, d'illusion. Et vous pensiez, aller vers une belle transformation. Mais on avait un petit diablotin farceur.
D'accord. Donc effectivement, il y a eu des personnes qui ont porté des masques. On vous a dit de vous recentrer sur vous, hein, dans la nature, sur la terre-mère, etc. Avec vos guides aussi. Vous avez fait le travail aussi de énergétique, donc de vous protéger énergétiquement, hein, de rééquilibrer vos chakras, de revisualiser vos rêves, de retourner vers vos créativités, vers ce qui vous plaisait à vous. Vous avez écouté vos guides, hein, en tout cas, pour certaines personnes, vous avez bien travaillé sur vous. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Là, ici, je suis en train de vous expliquer d'où vous venez, en fait. Et donc, vous avez reconnecté avec votre lumière. Hein. Voilà. Vous avez reconnecté avec votre force, votre lumière. Il y a toujours des protections derrière vous, hein. Et la foi vous a poussé en avant, la foi vous a amené à vous rééquilibrer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est ce qui a pu passer. Bon, en fait, je peux remonter là jusqu'à la naissance. En tout cas, ce qu'on nous dit, effectivement, hein, c'est qu'il y a de belles choses pour vous qui arrivent ce week-end. Alors, allez-y, sortez, brillez. Voilà. Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Faire un petit point, voir ce qu'on nous dit encore pour ce week-end du 9 et 10 octobre. Nouvelle lune, hein, on est dans la nouvelle lune là. Donc il y a des vœux à mettre en place. Voilà. Sentez que vous méritez le meilleur, hein. Sortez de la culpabilité, les amis. C'est le moment d'agir. C'est vraiment le moment d'agir, mes amis. Ici, on nous parle de culpabilité, d'amour, de miroir magnétique. Ici, il me semblerait qu'il y ait des personnes qui ont un petit peu de culpabilité à aller vers une autre relation, d'accord? Parce qu'avec le temps, certaines personnes ont pu attendre des communications, hein. Et bien là, on vous dit que le verdict tombe. Hein? Voilà, mais le verdict qui tombe, c'est un échec, hein. Pour une femme ou pour un homme, bien sûr, c'est une guidance générale. Et ici, on voit l'argent. L'argent, ici, c'est le soleil, c'est la réussite. Donc, on peut me dire, effectivement, qu'il y a du changement. Enfin, il est nécessaire, en fait, de passer à autre chose sans culpabilité, de prendre de la distance. Prendre de la distance. Au niveau des anciennes relations, et vous avez la victoire sur des ouvertures. Attention à certains retours. Bon. Allez, les portes de l'intuition. Porte de l'intuition pour vous. Hop.
Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Voilà exactement ce que je vous disais tout à l'heure, vous méritez le meilleur. Et accrochez-vous à cela, accrochez-vous à vos rêves, avancez, dépassez. Et vous verrez que vous serez fiers d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de vos rêves finalement, de vos objectifs. Pour moi, je suis convaincue que l'équilibre ne peut pas exister sans amour. Et il me semblerait que l'univers ait vraiment besoin d'amour. Et donc, même si on aime être seul et on aime, voilà, on s'aime et l'amour inconditionnel de soi-même, etc., c'est une chose. On a besoin de partager cet amour et de vibrer avec une autre personne, c'est tout à fait normal. Donc, il me semblerait que les énergies nous poussent un petit peu à ça et à dépasser nos limites finalement, dépasser nos peurs. Avec le revirement, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a de belles énergies pour ce week-end. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Un petit cœur dans la bougie. Donc pour moi, ce week-end, effectivement, vient me confirmer qu'il y a des belles rencontres. De très très belles rencontres pour vous. Alors allez-y, allez rencontrer qui vous devez rencontrer. Je vais quand même demander un message des archanges pour venir confirmer ce joli tirage qui finalement nous a remué encore un petit peu dans le passé, mais peut-être qu'il était nécessaire pour comprendre d'où l'on venait et où nous allons surtout, c'est ça l'important, où allons-nous, dans quelle direction. Et ça c'est quand même beaucoup plus juste, surtout que le week-end est proche et on est plutôt dans l'instant présent du coup. Hein? La paix, c'est ce qu'on demande tous. L'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà la confirmation tout simplement pour ce week-end. Eh bien, j'espère réellement que cette petite vidéo vous aura parlé, vous aura encouragé. Hein. J'ai envie de vous répéter cette phrase. L'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, je vous embrasse, vous souhaite un merveilleux week-end et surtout vous dis à bientôt et prenez soin de vous.